habitations du monde. De sorte que naissent et grandissent de tous les peuples de la terre le peuple de tes enfants. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu. Dans toute la terre s'en va le message et la bonne nouvelle aux limites du monde. Aujourd'hui, le Seigneur s'adresse à nous et nous dit « Allez, de toutes les nations, faites des disciples. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Le Seigneur nous envoie en mission. Allez. Mais il nous en précise aussi la dynamique. L'évangélisation n'est pas une campagne de marketing. Ce n'est pas nous qui sommes seuls aux commandes. C'est l'Esprit du Seigneur. Nous n'en sommes que les serviteurs. Saint Paul le dira clairement aux chrétiens de Corinthe, « Nous sommes des serviteurs par qui vous avez été amenés à la foi. Moi, j'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui faisait croître. Ainsi, celui qui plante n'est rien, celui qui arrose n'est rien, Dieu seul compte lui qui fait croître. » Oui, le Seigneur est à l'œuvre parmi nous. Votre présence au cœur de cette célébration, chers confirmants, en est aujourd'hui un signe manifeste. L'Église est devenue pour vous, non pas cette maison de location dont parlait récemment le pape François, une maison que l'on ne fréquente que de temps en temps, mais véritablement votre maison, la maison de votre vie avec le Seigneur. Dans l'événement de Pentecôte, en envoyant l'Esprit Saint, le Christ ressuscité se donne un corps par lequel il se rend présent, et ce corps, c'est son Église. Vous-même, chers confirmants, vous dites l'importance d'avoir rencontré sur votre route un croyant, un chrétien, une chrétienne, qui vous a donné le goût de suivre le Christ et son Évangile. Nous avons à témoigner de la joie de l'Évangile. Non pas de cette joie un peu surfaite, d'exalter, qui reste souvent très égocentrée, mais de la joie sereine et profonde de ceux qui ont trouvé une source d'eau vive, apprécient de s'y désaltérer et sont heureux de la partager. Élargissons nos horizons. D'autres nous attendent. Père de Jésus le Christ, notre Seigneur, regarde ces baptisés sur qui nous imposons les mains. Thank you.
quelles initiatives nouvelles allons-nous prendre pour témoigner de la bonne nouvelle du Christ? Annoncer l'Évangile, c'est être envoyé. C'est à chacun d'écrire maintenant des pages nouvelles dans ce grand livre de l'évangélisation. Le Seigneur nous confie son Évangile. Accueillons-le et soyons témoins de sa joie. Allez, portez dans une maison, la paix de l'enfant, de la moisson, demeurez-y dans une maison, dans une dépense qu'on vous donne, allez, portez.